Paul, est-ce que tu connais quelque chose dans l'art nègre? African art. Tiens, pardon. Je suis venu à la maison de mon fils. Mon fils, je suis venu à la maison. Mais tout de même, la culture africaine, mais c'est ta racine. C'est ton être tout entier. Ta manière de vivre, de marcher, ta manière de rire et même de mourir, ça c'est l'art nègre et c'est ta culture. Tu ne peux pas ignorer ça. Pourtant, je vais te montrer un masque. Tu vas peut-être te donner des idées. Oh là, qu'est-ce qu'on peut passer? Tu sais, okay. Voilà un masque. Il est beau, hein? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais que l'artiste qui l'a fait, il savait ce qu'il faisait. Tu sais qui a dit ça? Ah, tiens, en tout. Il va se rendre. Amadou, en partant. Comment tu veux Malik Madozo, il vient quoi? Non, c'est pas Amadou Mbateba, c'est Pablo Picasso. En extase devant la beauté de l'art nègre, il venait de découvrir la clé du cubisme. C'était beau, spirituel, puissant, surtout anonyme, sans signature. Celui-là, hein? Il est beau, hein? Eh oui. Il est très beau. Bon, le barame, attire un coup de goût. Il est beau, il est beau. Va pour le coup, gros. Regardez. Et pour le nom, le marié? Pour le nom. Pour le nom. Pour la tombe, monsieur le nom. Attends, cocorine. C'est pas bête, hein?